Salut salut. Ouais, voici Captain Flood, c'est plus connu sur le nom de champion, même ça se trouve pour une nouvelle aventure. Une aventure spéciale. Comme vous pouvez voir, le nom de jeu est Adrien et même celle. Je peux pas critiquer ou quoi que ce soit le jeu parce que c'est moi qui l'ai fait. Mais par contre, je peux répondre à certaines choses dont cela a été vraiment mentionné. Cette vidéo assez spéciale pour vous montrer un peu quoi ça a l'air le jeu concrètement. En plus la musique est belle hein, la musique. Ça c'est les... dans le fond ces musiques là, je vais vous dire, je vais tout vous dire, ça c'est sûr. C'est musique, ça a été pris directement de RPG Maker. le logiciel qui permet de pouvoir faire des RPG. Comme que vous connaissez, si vous connaissez Perfor, ceux qui me suivent depuis plus longtemps, c'est un RPG mais qu'il n'y a pas de combat. Là, cette fois-ci, ceci n'est pas un RPG mais avec du combat. Je commence avec l'histoire. Bon, l'histoire, vous la connaissez, je l'ai déjà dit. Dans le fond, cette histoire-là, c'est pourquoi j'ai fait ce jeu. C'est un concours sur itch.io. Donc, vu le nombre de votes et toutes les guettes, je suis pas le dernier, mais pas loin. plus beau que le milieu. Ouais, c'est pas beaucoup. Je pas été haut, mais en même temps je suis pas surpris juste par le logo. Comme que vous pouvez voir à l'instant, le logo, on en reparlera. D'où vient ce logo? Puis ça vient de quelque chose en particulier. Commençons quand même, je vais vous expliquer toutes les affaires en temps et lieu. Bienvenue à vous. Je me présente. Non, cela n'a pas d'importance. Vous vous trouvez dans un monde dangereux. Chaque niveau que vous allez faire sera une énigme, avec certaines difficultés dont vous allez rencontrer. Vous allez devoir faire chaque niveau si vous voulez avancer lors de votre périple. Bon voyage. J'avais trouvé de quoi quand je faisais contrôle, j'étais capable de passer au travers. J'en ai profité. Mais j'ai... je pense que j'ai compris que c'est le mode pour développeur. Mais là, non. Voici le niveau 1 de ton périple. J'espère que tu as une épée. Je vais repenser à ça. j'ai fait une petite coupeur parce que j'ai pas la bonne version. J'ai la même version développeur. Parce que si je vais là, je vais pouvoir aller au niveau suivant sans faire le niveau. Mais vous, non. Je reviens, ça sera pas, on se retrouve exactement là. Bon, je suis de retour. C'est vrai, je repense à ça. Les fautes, la version développeur, les fautes sont pas corrigées. Bienvenue à vous. Une présent. Ok. Vous voyez sûrement peut-être une différence, mais vous allez voir la différence dans le prochain. Sinon de votre périple. J'espère que tu veux un épée. Non? Ça n'est pas grave. Tu vois cette épée? Va prendre l'épée. Et... semi-corrigé. Une voix défaut, c'est... oups. Pas grave, je vais le corriger de toute façon. Mais fais attention, un combat peut être déclenché à tout moment. Gare à toi, si tu meurs, tu recommences du début et je devrais tout te réexpliquer. Fais en sorte que tu ne meurs pas, cela aiderait. Dans le fond, vous avez que ces deux options. Il n'y a pas de sauvegarde. Si tu meurs, tu recommences du début. Vous voyez ceci? Voici une petite image. J'ai fait ça ici.
J'ai vraiment un futur comme toujours, aléatoire. Mais j'ai jamais pensé que cela serait le logo. La forme du logo. Vous imaginez. Prends l'épée. Tu en auras de besoin. Car tu seras testé pour savoir si tu seras à la hauteur pour vaincre l'ennemi. C'est peut-être la première version non corrigée aussi. Moi, je vais vérifier ça. Que le combat commence. Le fait que c'est pas un RPG, je n'ai pas consacré rien de mécanique de combat. Aucune mécanique. La simple mécanique de base. Bravo pour ta victoire. Va couper l'arbre pour que tu puisses passer. Chauve mourit. Ça s'appelle ici. Paroi, pourquoi pas. Ils ont l'air d'être déjà morts ce chauve-souris. Surtout d'être des chauves mourus. Oups. Je suis habitué d'aller vite pour ça. Ah, juste pour vous dire. Tu as enfin fini ce niveau. Ouh. Finalement, c'est pas le bon. Il revient trop long. Ah, j'espère que j'ai mis la bonne version. Parce que celle-là est corrigée. Et T et E. À chaque niveau, vous allez avoir une pancarte pour vous guider. Le niveau 1 est assez guidé, alors vous n'avez pas besoin d'elle. Un combat 2 contre 1. Eh oui. Je sais pas que vous avez vu. Maintenant, tout va pouvoir passer. Juste pour vous dire, chaque combat sont placés non aléatoires. Moi, je les ai mis aléatoires, mais ils sont pas bien aléatoires. Si vous allez là, vous avez un autre combat. Le combat d'un autre que vous ne verrez pas si vous suivez le chemin. Parce que... Je sais rien, je vais le lire de toute façon. Là, c'est pas super, les combats sont faciles, tout ça. Niveau 1, c'est facile. Mais faites attention. Dans le fond, le jeu, il est conçu pour... Je vais mettre des combats pour le fun, là. C'est pas un jeu de combat, hein, 100%. Le jeu, il est fait pour que... 4, hein? Le jeu, il est fait en sorte que vous puissiez... l'avoir sans mourir, parce que aucune sauvegarde. Mais par contre, il y a un côté imprévu de que vous servez de votre jeu un peu. Je vous conseille pas, mais si vous avez de la magie, il y a des potions de soins. 5. Utilisez la bonne salle. Je les ai laissés. Parce que... Je vais le laisser. Mais si vous êtes capable de pas les utiliser... Allez-y. Le jeu était conçu pour que vous l'utilisez ce sort-là. Tu as enfin fini ce niveau. Le niveau 2 est maintenant disponible. Attention, laisse-moi t'avertir. Plus que tu vas monter de niveau, plus tu rencontreras des ennemis de plus en plus puissants. Après chaque niveau, tu seras guéri et tu... Si tu réussis. Alors fais bien attention. Bonne chance. Un commentaire que j'ai eu par rapport à l'histoire. L'histoire, dès le départ, vous en voyez pas ben. C'est des niveaux, pas ben vraiment d'histoire. C'est un fait. L'histoire n'est peu il n'a pas vraiment d'histoire. Mais si on va un peu plus loin, dans le fond, l'histoire est abstraite, mais très abstraite. Repensez à ceci. Bienvenue à vous.
Je me présente. Eh, non, cela n'a pas d'importance. Vous vous trouvez dans un monde dangereux. Cela peut tout vous dire. On peut passer, c'est sans problème. Ça, c'est le niveau 2. Le niveau 2, les indices et une question. Oh ben, bienvenue au niveau 2. Une nouvelle créature fera son apparition. Le début des énigmes. Fais attention de prendre le bon choix, car une mauvaise réponse peut avoir de graves conséquences. En plus de ça, il y a un temps limite. Alors, si vous ne réussissez point à passer le temps dans ce temps donné, alors vous allez devoir recommencer du début. Bonne chance. C'est un animal à deux pattes, qui a des ailes et qui ne vole pas. Il aime les graines et fait un bon repas. Par contre, cet animal a une queue qui sort de l'ordinaire. Une mauvaise réponse peut être fatale. Une poule, un poulon, poule d'un. Vous voulez couper la bonne réponse. Volontairement. Mais vous avez la réponse. Ceci, vous avez vu au niveau 1. Mais si vous suivez le chemin, vous ne rencontrerez jamais cette créature. On s'entend? Mais bien jamais. Mais quand, au contraire, vous pouvez le rencontrer dès le niveau 1. Poulon, tout ça. Dans le fond, que je vais faire, c'est les combats. Mais pas juste les combats. Le dispose on est pas supposé mourir, mais il est possible qu'on puisse mourir. C'est petit, est-ce que vous êtes prêt à répondre? Ouais, une mauvaise réponse pourrait être fatale. Un jeu de fléchette, un d'or, un bel or. Je vous ai coupé la réponse, mais logiquement. Et voilà. Un nouveau. Facile. Et vous pouvez passer. Les poulons, une créature spéciale. En fait, les poulons, ce sont... j'ai oublié un espace. Des poules dragons. Vous signifiez, bien sûr, poule et long signifie dragon. Et c'est pour ça que l'on appelle cela un poulon. Si tu as été malchanceux, tu as dû en affronter un poulon au niveau 1. Si tu n'avais pas eu la chance d'en affronter un poulon, ce n'est pas grave, car il est puissant quand même. Et vous aurez survécu, mais difficilement. Dans chaque niveau que vous allez faire, il y a toujours, à quelque part, un ennemi plus puissant. Il se peut que ce combat commence automatiquement, mais il se peut que vous allez devoir passer... peser sur entrée pour activer le combat, et cela même si ce n'est pas un ennemi plus puissant. Je te laisse quand tu as un long chemin. Bon voyage. Le niveau 2, c'est simple, faut faire chaque combat et vérifier chaque rush parce que sinon vous pouvez pas répondre à la question. Bienvenue au niveau 3. Est-ce que vous avez une bonne mémoire et une bonne logique? Une chose qui est sûre, il va falloir travailler votre mémoire pour finir tous les niveaux. Il ne sera point possible que vous ne réussissiez point du premier coup et devoir tout recommencer. Mais si vous avez une bonne logique et une bonne mémoire, cela va aider. Ayez la bonne réponse pour pouvoir aller au niveau suivant. Chaque créature a son propre niveau et chaque niveau ou presse a une créature du niveau suivant. Il peut y avoir des pièges. Bonne chance. Pour aller au niveau suivant, il faut avoir les bonnes réponses avec un temps donné. Attention, il y a des questions pièges. Sauf mourir. Vous n'avez pas donné réponse. Ah bello. C'est volontaire que je vous donne pas les réponses. Faut que vous cherchez un peu. Poulon. Ici,
On va y revenir. Est-ce que vous êtes rapide? Je vous donne le défi d'aller à la pancarte qui va apparaître. Oh! Plus ça va. Je vous montre cela. Vous avez eu un cadeau. Vous n'avez pas d'énigme. Bonne continuité. Qu'est-ce qui est vert? Vous choisissez une des réponses. Chaque question, chaque réponse va vous donner une autre réponse. Avec un coup de pied. Le jeu logique ou non logique. Mais qu'est-ce que ça? Rien n'est dit si vous avez la bonne ou la mauvaise réponse. Dans tous les niveaux. C'est ainsi. Celui-là, c'est un chiffre que faut vous trouver. Bonne chance. À la fin, que ça fait? Ça vous donne ceci. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous risquer? Non. Les combats, si vous voulez, vous essayez, bonne chance. J'ai pas prévu de... que ça soit une victoire. Ouais. Parce que vous allez comprendre assez rapidement. L'histoire en tant que telle du jeu, où se trouve-t-elle? Il y a une histoire Une histoire est plus à la fin. Mais vraiment à la fin. Complètement. Ça, c'est l'histoire véritable. Mais d'une certaine façon, il n'y a pas d'histoire, mais il y a quelque chose par contre d'autre. Qu'il a tout au long de l'aventure. Bon, ça, une question, des indices, une réponse à la question. Petit side. Pour valider votre question, il faut aller à la source. Sinon, vous n'avez point eu la bonne réponse à la question. Il n'y a pas de combat caché. Mais dans le fond, faut vous trouver la bonne place. Trouver le bon qui va vous donner la question. Pour ça, allez voir. Faut tout aller voir. C'est simple. Je vais vous laisser. Et on se retrouve une fois que c'est terminé. Et des combats cacheux de temps en temps. Et voilà. Et là, il est plus facile. Mais si vous allez l'affronter au niveau 3, il y a peut-être des possibilités que vous ayez. Mais plus difficile. Moi, peut-être que je l'ai jamais réussi. Bah, c'est vrai que je vais pas essayer de l'affronter autant. Et il y en a qui vont réussir, là. Jamais le contraire. Le niveau 5 n'a point d'énigme, mais vous allez devoir faire tous les combats pour aller au niveau suivant. Il y a toujours du temps. Les graphiques peuvent être n'importe où. Pour une question d'équilibrage, des potions vous sera à votre disposition et vous aider à passer les niveaux. Bonne chance. Si vous voulez voir votre vie peser sur zéro. 6 combats de cachet. Les potions sont là à titre de calibration. Si vous ne pensez pas en avoir de besoin, vous pouvez ne pas le prendre. Si vous prenez un risque et vous mourrez, alors c'est votre choix. Une fois tous les combats terminés, allez couper l'arbre. Votre vie. Dans le fond, quand il parle de potion, c'est ceci. Vous avez trouvé une potion. Voulez-vous l'utiliser maintenant? Vous prenez là, avec précaution. Oh, il y en a une place facile. Bah ouais, il y en a un juste là. Mais les autres, je vous le demande pas. Et le pont. Ah ouais, que voulez-vous? Ça me tente de... Je me tente de le nommer le pont.
Sachez que je pense en moins 5 Eliminator. Il est pas seul de pas l'utiliser, mais il est difficile à dire qu'à faire. J'ai oublié une affaire. Après les combats, les gros, les ceux qui font plus mal, il y a une petite calibration. Attendez, vous en avez oublié un. Qui est le pont? Imaginez que vous êtes à 500. Vous voyez, c'est possible. 5. Vous pourrez rester sur 200 points. N'oubliez pas la potion afin d'équilibrage. Rassurez-vous, il se peut très bien que vous ayez besoin de la potion. Après de nombreux tests, les chances que vous réussissez sans prendre de potion. Ouais, potion, on s'entend que j'ai versé. Est possible. Mais le contraire est possible. Il n'est pas supposé que vous mouriez même en prenant la potion. Si cela arrive, soit que vous êtes malchanceux, ou bien vous n'avez pas pris la potion au bon moment. La potion. Il est facile à savoir. Bon, je vous laisse. Attention, une mauvaise réponse peut être fatale. 2020 est l'année de casting chinois. Pas que vous avez la réponse tout de suite. Et oui, l'année 2020 est l'année du rat. Je vous donne 20 sur 20. Et voilà le casting chinois de 2020. Eh ouais. Pourquoi pas. Si vous avez de la chance, vous avez des critiques, puis. Je peux utiliser de passion, moi. J'ai de la chance aussi. Si vous avez de la chance, vous pouvez ne pas utiliser cette potion, comme moi. Si vous avez pas de chance, par contre, vous pouvez l'en utiliser. Cette musique vous rappelle-tu de quoi? Une source des combats et du défi. De calibration est à votre disposition. Faisons bon usage. Et oui. La musique... Ok, ça, vous allez là, des combats, tu en veux, tu vas en avoir, c'est garanti. Ouais, on est rendu au niveau 7, c'est, si vous avez vu l'annonce, c'est bien. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir l'annonce, dont, vous voyez la conception pendant que j'ai créé ce niveau, et... Tout le long que je crée ce niveau, puis après ça je le teste. Ah oui. Oh, c'est vrai. Et oui, il y a encore d'autres combats. Vous n'êtes pas sorti du bois. Les combats faciles. Ce n'est pas si compliqué. Un niveau facile à faire. Allez, va au prochain niveau. Et non, ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres combats à faire. Ceux qui ont vu l'annonce, vous le saviez. Sinon, je vous l'apprends. Le prochain ne sera pas facile, du moins, c'est ce que je pense. J'ai pas parlé de la couleur du logo. D'où vous là, je vous ai parlé de la... D'où vient le logo, c'est tout simplement quelque chose que j'ai fait comme ça. Par hasard, ça s'est puis je cherchais le quoi comme logo, puis ça s'est donné que c'est ça. Que ça a été ce logo que vous connaissez. Mais la couleur a une signification. J'ai pas pris ça par hasard. Mais vraiment pas par hasard. Vous avez d'un côté rouge avec des poids au centre. De l'autre côté noir avec avec un point vert. Et au centre c'est bleu. Mais ça a une signification très précise. Mais faut le savoir, ça c'est que ça faisait. Dans le fond, non,
L'histoire. Non, ça fait mal. Juste pour vous dire, si je perds, si je les donne mode développeur, je peux aller plus vite, disons. Et puis, je vais vous montrer les niveaux. Mais c'est le but de la calibration en même temps, pourquoi que j'ai fait des calibrations. Mais dans le fond, cette couleur signifie quelque chose en particulier. Une émission. Je vous conseille de prendre la potion avant de suivre. Prenez-la, sinon vous le perdez de toute façon. Tu doutes que ce n'est pas fini. Tu as raison. Tu peux continuer. Vous pouvez passer. Attention! Éteins des combats avec plus que un. C'est ce que je rajoute durant les niveaux suivants. Dans le fond, durant les 6 premiers niveaux, vous avez un nouveau un ennemi plus puissant. Pas grave. Vous avez un ennemi de plus puissant, en théorie. Le plus puissant en théorie est. C'est vrai. Il est le plus puissant, c'est vrai. C'est le rat. Mais c'est pas le plus puissant. Parce qu'il y en a un encore plus puissant. Qui va être. Beaucoup plus tard. Dans le jeu. Ces couleurs signifient une émission en particulier. Dont je ne vous dirai point le nom. C'est pas une fan fiction de cette émission ou quoi que ce soit, c'est juste je me suis basé l'histoire sur ça, une possibilité que cela pourrait être, mais qui ne pourra jamais être. La potion est là. Tu as enfin fini le niveau. Tu pourras aller au niveau suivant. Vous doutez la suite, hein? Ah oui, il faut bien finir en beauté avec un petit combat double. Désolé. Mais toutes les petites interactions depuis le début, bon, à part les quelques-uns, ce que je dis en mode calibration, ça c'est. On vous dit c'est le développeur qui parle, mais dans ce niveau-là, comment que j'ai vu justement, on rentre ici, on est ici, c'est comme si on serait ici, on va dans les grottes, puis on sort. C'est littéralement ça. J'ai joué avec un peu le relief. Soit je m'en vais dans le groupe, puis je ressors là. J'ai joué avec le relief littéralement. Ceci. Ayez le bon ordre. C'est tout. Vous pouvez passer. Nous avons de passer, c'est ça. Et le combat embarque. Une chaloupe apparaît comme ceci. Pour aller ici. Vous êtes à la plage, profitez-en pour vous reposer. Il n'y a pas de repos pour le combat. Mais pour les années et le temps, oui. Un petit cadeau. Il y a 6 combats pour aller au niveau suivant. Prenez ça, relax. Et allez-y à votre rythme. Après avoir vaincu tous les combats. Mais entre temps, j'ai dû. Il me reste 39 vies. Ah bon. Il est possible de mourir. Mais la potion est pratiquement inévitable. Vous pouvez passer. Vous voyez pas de combo, mais vous voyez, j'ai failli y rester. J'ai pris la potion en plus. Ce que le pire dans tout ça, c'est que j'ai pris la potion. Encore des combats. Je dois recevoir le principe maintenant. À partir de maintenant, il n'y a plus la possibilité d'affronter les ennemis du niveau suivant.
Eh ouais. Accordé qu'en bas. Ok, cette voleur, moi-même, je me rappelais plus où c'était. J'ai dû chercher. J'ai tout fait. Enfin, ça, je comprenais pas pourquoi ça j'allais pas au suivant. Bah, j'ai pas été au suivant non plus. J'ai dû aller. C'est littéralement là où que j'ai dû. J'ai été sur le ciel pour aller voir la réponse. Ouais. C'est bref que moi-même, je pourrais avoir la contrainte de temps. Avez-vous une bonne mémoire? C'est le temps de le tester. Des chauves pourries, est-ce que tu penses que tu peux en battre? Eh oui, si vous voulez pas le faire, il y a des affaires qui se font. Les poulons, ce sont des créatures spéciales. Dans le fond, faut faire tous les combats. Le Minotaur est une des créatures les plus difficiles. Seras-tu prête à en affronter un maintenant? Je vais vous dire, on va dire non. Désolé, je ne te donne pas le choix. Un loupeau est un peu comme un loup-garou, mais ce n'est pas le cas. Car c'est sa véritable forme. Ici, j'ai mis une potion, mais... Tu peux ne pas l'utiliser du tout, ça ne changera pas grand-chose. Laura est un signe chinois de 2020. Fais bien attention, ceci est un piège. Ce niveau est c'est pour tester votre mémoire et votre logique par rapport... votre logique, mais votre mémoire en particulier. Et ouais, le combat de niveau. Vous avez remarqué tout le long, il y a toujours quelque chose de nouveau tout au long. La seule chose qui change, c'est le, à un moment donné, quand il y a les combats doubles, c'est que c'est juste l'adversaire que vous avez qui va changer. C'est tout, presque. J'aime bien la musique. Vous n'allez point avoir de besoin d'aide pour ce niveau. Ayez une bonne observation. Vous avez rien vu, ça c'est normal. Parce que je peux vous montrer des réponses quand même. Eh oui! Du nouveau. Regret. Le niveau 13 est un niveau assez long dont il n'y a pas de contrainte de temps. Ayez les bonnes réponses tout simplement. Petit conseil, si vous rencontrez un petit problème, ne paniquez pas. Dans ce cas, allez couper l'arbre et cela devrait fonctionner. Tout le code fonctionne, mais le problème n'est pas explicable. C'est dû au chiffre 13 sûrement, ou pas. Pourquoi j'ai des problèmes avec ce niveau-là? Ayez la bonne réponse. Dans le fond, vous ayez la bonne réponse à chacun. Un exemple. Est-ce que c'est vrai? Les coccinelles peuvent être un signe d'amour. Mais si vous y répondez, l'amour, c'est le plus beau des sentiments. Il est peu perceptible quand on ne comprend pas. Tu as répondu à toutes les questions. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise réponse. Mais vu que... Que chacun... Si vous avez trop de mauvaises réponses, ça fuck le code au complet. Je vous laisse. La fin parce que leur test sur ce niveau là est simple. Si vous répondez, peu importe la réponse, va vous donner une. La deuxième réponse sera différente. Complètement. Par rapport. Elle va être différente tout court. Par rapport aussi à votre réponse que vous avez choisie.
Si on voit un chat noir, est-ce que ça porte malheur? Il y en a qui vont dire vrai, il y en a qui vont dire faux, il y en a qui vont dire c'est une superstition. Quelle est la bonne réponse? Là, à vous de découvrir quelle est la bonne réponse. Vous avez eu toutes les bonnes réponses. Vous pouvez aller au niveau suivant. J'ai eu toutes les bonnes réponses, mais si j'ai, vous avez une mauvaise réponse, vous allez tout devoir recommencer. Mais c'est là que c'est, ça fuck un peu. Là, si vous recommencez une fois, c'est pas suffisant, mais après ça, deux, trois fois, ou ça va fucker, ça va bugger. Là, vous allez essayer de couper l'arbre pour passer. Désolé, il faut passer la forêt. Une chose qui est sûre, c'est un vrai labyrinthe. Lâche pas. Tu n'es pas encore sorti du bois. Je vous laisse, je vais faire le labyrinthe. Si j'ai une bonne mémoire. Quand il y a des ennemis, c'est le bon choix. Je suis sur le pont. Ça y est. Tu es presque sorti. Comme tu peux le remarquer, il y a encore des énigmes. Ne te décourage pas. Saut et limite et un thème. À la fois facile et non évidente à la fois. La limite est représentée sous combien de formes? Il existe d'autres formes de limite, mais qui n'est pas représentée sous ces pierres et dans le jeu. Combien est-il de formes de sceaux? Dans ce jeu, il n'y a que deux des trois pierres énumérées qui sont vraies. Il n'y a pas de sceaux dans le temps. On vous donne la réponse après. Bien sûr, les combats sont inévitables. Ouh, j'ai peur de un coup. J'avoue, j'ai pas mis d'équilibrage celle-là, c'est une photo. Le niveau 14, ça y est plus rien. Un labyrinthe. Écoute, vous voyez facile, c'est pas comme le labyrinthe dans Perforg, et là il est plus difficile. Mais c'est du gossage, c'est tout. Bon. Le labyrinthe est facile là. Pas comme je disais dans Perfort que là c'est une vraie difficulté. Puis vous n'avez pas contrôle de temps. Voilà. Mais les combats. Il y a une musique qui n'aurait pas de combo. Parce qu'il y a un combat caché à quelque part, mais tout est cap. Si vous êtes malchanceux, vous allez pogner. Si vous êtes chanceux. Ou si vous êtes chanceux, vous pouvez ne pas le pogner tout simplement. Comme moi, je l'ai pas payé. C'est qui ça? Il y a personne qui veut rien. Adrien, te voilà enfin. Je suis contente que tu aies réussi à te rendre jusqu'à moi. Qui es-tu? Je me nomme Fée. Suis-moi. Je vous avoue une affaire. Fée, je me suis pas cassé la tête. Si je me trompe pas, c'est le nom de cette créature là dans RPG Maker. Je sais pas quoi c'est la tête, j'ai pris ça. L'histoire elle est là.
à toute fin. Et là, vous allez tout comprendre du reste du jeu. Mais tant que vous n'avez pas fini le jeu, vous ne pouvez point comprendre l'histoire. Adrien, j'ai un aveu à te dire. Au fait, c'est moi qui t'ai amené dans ce monde et c'est moi qui te guider tout au long de l'aventure. Je vous dis ça de même. Mais c'est la vérité. C'est le nom concret de l'histoire. Bienvenue à vous. Je me présente. Non. Cela n'a pas d'importance. Vous vous trouvez dans un monde dangereux. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Parce que je t'aime et je veux vivre avec toi pour l'éternité. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Mon vrai nom est Marinette. C'est impossible. Mais pourtant, c'est la vérité. Tout ça est à cause du papillon. Laisse-moi te donner un dernier défi, mais cette fois-ci, c'est moi que tu devras affronter. Je t'aime, Adrien. Voilà. Au plus difficile. Au combat le plus difficile. J'ai dit qu'il était difficile. Tu as de la chance. Vous allez le vaincre aussi facilement que ça. Avec la chance. Sinon, si vous n'avez point de chance, vous allez réussir quand même. Mais il vous en restera 100, 200, 300. Bravo Adrien, tu as réussi tous les niveaux. Tu vas pouvoir retourner dans ton monde. Plutôt nous. Merci de m'avoir libéré. N'oublie pas Adrien. Quand vous dites ça, une référence à une émission en particulier, je ne mens pas. Il faut le comprendre. Il veut pas voir moi. Seul ceux qui connaissent la référence peut savoir de quelle émission. Mais si vous ne le savez point, c'est peut-être de plat, mais c'est comme ça. Alors, c'est tout pour cette aventure, pour la démonstration de mon jeu. Vous avez eu l'histoire, vous avez vu toutes les explications qui viennent avec, concrètement. En le voyant. Ce jeu m'a pris un mois à le faire. Moins tout le temps que j'ai perdu. Je l'ai fait en un temps record. Pour un jeu de un mois, c'est très bon pour moi. Ce jeu, au début, je pensais pas de faire un jeu qui est un jeu avant Perfort. Mais les circonstances ont fait en sorte que ce jeu est avant Perfort. Bien inquiétez vous pas, Perfort, j'y travaille petit peu par petit peu depuis que là je me suis mis dedans un peu plus ces derniers temps. Ça avance tranquillement, pas vite encore. J'ai fini la troisième ville et je m'en vais à la quatrième ville pour ensuite aller à la cinquième ville. Puis ensuite finir le jeu. Et oui, c'est les codoltés. Je m'en vais à la. Dans le fond, vous avez vu Berlo, puis Fanny. Fanny, je pense pas si vous l'avez vu, mais je pense que oui. Puis j'ai arrêté là. Vous n'avez pas vu la. Puis Fanny, hein, c'est pas puis Fanny. Puis Fanny, c'est la troisième ville. Birna. Vous avez vu Berlo, Birna. Vous avez pas vu Fanny. Dans le jeu de la démo, Perfort démo, il y aura Berlo, Birna, puis Fanny, Perso. Et par l'eau. Pour finir à Fanny. Mais c'est un jeu quand même assez court. Mais long en même temps. Comme vous pouvez voir, ce jeu peut se faire en une heure. Si vous avez de la misère pour commencer un peu plus. Pour ceux qui se donnent le défi, fassent le plus vite possible.
je vous donne les défis parce que je vais calculer mon temps le plus vite possible. Puis je vous donne le défi de me battre. Ça, c'est un vrai défi que je vous lance. Ah, pour ça! Comme que j'espère que vous avez bien aimé cette aventure, que vous avez apprécié ce jeu. Je sais que beaucoup de coupures, c'est volontaire parce que là, ça fait 1h15 que je tourne le 16 même. Ah, pour ça! N'hésitez pas à rejoindre mon équipage sur le navire de l'essai. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Vous toujours vous aller sur mon serveur Discord, dont tout le monde est bienvenu. Ah, pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.